Alors, quelque part, les gens se rencontrent par rapport à la couleur de peau, les deux couleurs et les titres. Même le contenu, le choix du dessinateur de passer par le noir et blanc, et ça annonce la couleur. C'est donc le tout. On part sur un manga en réel. On part pas dans une balade dominicale, on va en sortir une rêve. Notre étape nous amène en Corée du Sud à la fin des années 90, depuis les années 2000, dans le milieu de la grande distribution. C'est une multinationale française qui s'installe et qui a déployé ses hypermarchés. Je ne sais pas le nom, mais on connaît l'entreprise. Et notre étape aborde les conditions de travail et surtout les aides sociaux, avec des méthodes qui sont radicales pour supprimer les postes de travail. Tous les acteurs de l'entreprise sont présents dans cette BD. On y retrouve les acteurs de la direction, les salariés, aussi les représentants du personnel et des délégués syndicaux. Il y a énormément de personnages qui sont tous très attachants. Et les deux protagonistes principaux, c'est M. Lee, qui est cadre manager et qui est un poste au niveau de la direction. Et lui, je ne suis pas coréenne, je ne parle pas bien la couche, je ne suis pas du tout coréenne, j'ai juste l'accent du sud pour moi. Parler de l'auteur de ces personnages, des syndicalistes. Ces deux personnages, malgré leur position totalement opposée, vont s'allier pour le respect de l'humain et la justice sociale. Ils vont s'opposer à la direction. Alors, dans les traitables, au-delà de la problématique de la justice sociale au sein de l'entreprise, on va aussi parler de lutte des classes. À l'époque, voilà, vous la pouvez faire une synthèse des armes. Alors, en conclusion, je dirais que la France et la Corée du Sud sont des pays très éloignés géographiquement, culturellement, et pourtant, il y a quand même une résonance avec ce qu'on a pu vivre nous, les dernières années, avec les mouvements sociaux, les gilets jaunes, et même encore récemment, avec les gens qui ont encore fait part sur les manifestations au niveau de la fin des retraites. Alors moi, je suis déléguée syndicale, je suis représentante personnelle de la CFTC Orange, et je partage les valeurs des deux personnages, de lui et de lui. Pour moi, c'est très important d'accompagner les salariés, de respecter leurs droits, et puis aussi la justice. En tant que juré de l'Union du Travail, on a dû donner notre avis sur ce premier tome. Depuis, il y en a eu 6, c'était 50, il y en a 6 au total. La couleur de la couverture change, mais je suis sûre que le contenu, c'est aussi puissant que le premier tome, et ça donne vraiment très envie de lire les suivants.